Yo tout le monde, c'est Birko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Last Thinker. Alors le quatrième de tête, il aura mis un petit peu de temps à venir, mais c'est parce que encore pas mal de petits projets en cours, pas mal de petits trucs que j'ai à faire. Vous devrez bientôt avoir le résultat de tous ces projets. Normalement dans moins d'un mois vous aurez normalement le premier épisode. Il y a aussi une nouvelle série, donc on a tourné aussi pas mal de fois cette série, on a pas mal d'épisodes d'avance. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Last Thinker pendant un petit moment, mais bon, ça reprend. Alors, pour rappel, la dernière fois on avait parlé à l'esprit rouge, donc il était là. Ensuite il était rentré dans notre corps, il était reparti, il nous avait demandé de sauter ici. C'est du coup ce que nous allons faire. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Par ici, d'accord, il dit d'aller par là, donc du coup on va aller par là. Non, il n'y a absolument rien. Du coup c'est bel et bien par ici qu'il faut aller, pas de choses annexes. Là nous pouvons aller, il y a forcément quelque chose. Ouais. Et ben voilà, un pinceau. 4 pinceaux sur 5, et ben on y est presque avec cela. Bon, il y a des pinceaux qu'on peut avoir, mais seulement plus tard dans le jeu, à certains moments. Du coup, ça m'étonnerait pas que là, le dernier, on ne l'ait pas. Pour le moment, en tout cas. Montre-leur le pouvoir de la force en appuyant sur. De quoi? Ah, je peux les tuer maintenant. Je pouvais les frapper en faisant clic gauche, je crois. Dans tous les cas, quand j'ai fait clic droit, clic gauche, ça les a one shot. Du coup je vais bien faire souvent le clic droit qui clic gauche. Parce que regardez, est-ce que je peux le battre seulement avec des clics gauche? Oui. Mais avec les super coups je les one shot avec les coups vers le bas. D'habitude c'est des uppercut. Donc c'est à dire up, donc vers le haut, percut. Donc on va appeler ça les downercut. Non, en fait ça sonne très mal. En fait non, c'est de la merde, oubliez tout ce que j'ai dit ces derniers moments. On va y aller, est-ce que là il y a des obstacles? Je me prépare en appuyant sur clic droit, oui il y en a. Ok, bah du coup on appuie sur clic droit. Ouais, c'est pas très compliqué les obstacles hein. Enfin on a vu des obstacles plus compliqués dans certains jeux vidéo. J'ai cru sentir un petit lag. J'espère qu'il n'y en aura pas non plus des masses. J'ai l'impression que c'est déjà parti. Parce que la dernière fois qu'il y a eu des lags comme ça, l'épisode il s'est pas tourné en fin de compte. Donc autant vous dire que moi quand les épisodes ne se tournent pas, ça me met pas de bonne humeur. Et surtout je n'aime pas ça parce qu'après, oh merde, on a déjà tourné l'épisode et donc on sait déjà ce qui se passe. Et donc du coup c'est très très nul pour commentaire. De une c'est galère et en plus ça rend pas très bien. Ah, il va pas valoir se battre contre ça. Ah moi je veux bien, au fond de moi je n'ai pas trop de problèmes. Mais quand même, comment je peux me battre contre ça? Ah ben tout simplement. Il nous donne l'endroit où attaquer très gentiment. Non, c'est sympa de sa part, au moins on n'a pas besoin de galérer. Oula, par contre il attaque lui-même. Il nous fait pas de dommages, il fait juste nous repousser pour nous dire gentiment. Ah oui, par contre ça nous fait des dommages. Ça nous redonne pas de la vie ça, un petit peu. Bon, va falloir que je fasse attention à ma vie. Même si je pense que ça devrait aller. Non. Bon, je pense que juste avec quelques petits clics droits on peut éviter tout ça. Hop là, lui maintenant on l'attaque. Il faut lui faire un max de dommages possible. Je pense qu'en 3 fois on l'a. Ah non, même pas. Sûrement en 4 fois du coup. Est-ce que les ennemis nous redonnent de la vie quand on les frappe? Oui. Ok, bon c'est bon, on va bientôt être full life si ça se trouve. Bon, par contre c'est pas comme dans Remember Me, on choisit quand on est full life, enfin quand on se heal, etc. C'est vraiment aléatoire. C'est plus comme dans Zelda du coup. Ah mais juste en tuant ce mec, on a tout libéré. D'accord, bon je m'attendais quand même à un combat un peu plus épique. Je dois avouer. Voilà, c'est... Voilà, ça, c'est un dôme. Magnifique. Toute cette couleur provient de cette chose. Évidemment. Désolé. Oui, bien sûr. Il a bien fallu qu'il mette toute cette couleur quelque part. Lorsque Kouri a vaincu cette créature, ça a libéré toute la couleur qu'elle retenait. On a vu quelque chose de similaire quand la route du quartier du marché a été bloquée. Quoi? C'est maintenant que tu dis ça? Mais je... Il n'y a pas de temps à perdre. Monte sur cette plateforme de saut, elle devrait nous amener près de la sortie. Fonce. Ok. Ouais, de toute façon on peut aller nulle part d'autre. D'accord. Ouais, du coup on y va hein. Où sommes-nous? Je reconnais pas du tout la sortie. Ça a l'air d'être par là-bas parce qu'ils nous ont mis dans ce sens-là. Mais y a rien par là.
Non, là c'est l'endroit où qu'on était. Ouais, c'était les endroits qu'on était en fait, cet endroit-là. Du coup, c'est par là-bas, sûrement par là. Oh, eux. Ah, c'est bon, on peut les sauver comme ça maintenant. Ah, c'est bien ça. C'est plutôt cool. Sûrement, on va voir Bolzo du coup. Voilà, Bolzo. Pas mal, gueule de babouin. Une bonne correction, c'est tout ce qu'il leur fallait. Avant qu'on sorte d'ici, tu dois t'occuper de quelques autres de ces fichus tireurs. C'est à cause d'eux qu'on s'est fait piéger ici. Tu devras aller leur passer le bonjour et leur mettre quelques claques tant que tu y es. Bah c'est toi qui es si fort d'habitude, non? Tu pourrais pas le faire toi-même? Oui, d'ailleurs, à partir du moment où je suis rentré dans le marché, j'ai dû tout refaire parce qu'il n'y avait pas eu de sauvegarde rapide. Donc du coup, on ne peut pas sauvegarder nous-mêmes. Ici, en bas. Pourquoi? Pourquoi tu veux que j'aille en bas? Ah, parce que là, il y a la liane. Ouais, mais par là, on peut pas passer? Non. Ah. On peut pas... Mais s'il te plaît, on va arrêter de faire n'importe quoi. C'est très bizarre. Ok, c'est bon. Ah non, c'est parce que là-bas, c'est sûrement la suite ou une connerie du genre. D'accord, d'accord, d'accord. Autant pour moi. Oula, mais ils me tirent tous dessus, là. Donc, c'est pas que... C'est pas que je suis dans la merde, mais un petit peu quand même. Ok. J'ai 2 points de vie, on esquive lui. Normalement, si on le tue... Hop là, on a récupéré un petit peu de vie, on va casser toute cette caisse pour gagner toute la vie. Et puis on va faire attention pour la prochaine fois. Histoire de pas perdre autant de vie aussi débilement. Hop là, on esquive, on esquive. Ok, on a très mal esquivé celui-là, on a très mal esquivé celui-là. On esquive très mal, je tiens à préciser. D'ailleurs, je sais pas qu'on esquive très mal, c'est que nous n'esquivons pas tout simplement. Sinon, vous aurez pas pu passer en sprintant ou les frapper vous-même. Ah non, ils peuvent pas les frapper vu qu'ils n'ont pas le pouvoir de l'esprit rouge. Ok, non, bon, du coup, je vous en veux pas. Suivons Bolzo et ses gars. On peut pas aller par là? Ah non, ça c'est la corde où on était passé la dernière fois. Bon, on les suit du coup. Mais pourquoi on les suit d'ailleurs? Faut pas plutôt aller au quartier du marché? Peut-être qu'ils vont au quartier du marché eux-mêmes. Aucune idée. Ah, on peut passer par là. Oh, on peut éventuellement tuer lui. Bon, ça servira à rien. À part gagner un petit peu de thune, mais pour l'instant la thune, je sais pas ça sert à quoi. Donc je vais peut-être un petit peu moins m'en préoccuper. T'as réussi, gueule de babouin. Bien, j'imagine que je n'ai pas d'autre choix. Écoute, bien, je ne dirai pas deux fois. Merci, je te suis redevable. Bon les gars, tirons-nous d'ici et retournons au quartier du marché. Ouais, parce que nous aussi on doit y aller, donc tant qu'à faire, 3 petits points. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Eh oui. Ah oui, donc du coup, j'ai commencé l'épisode ici, j'ai dû aller tout en haut, et puis ensuite, bon, ça a pris 2 minutes, hein, parce que j'y étais en rechant, les pinceaux, etc., ils étaient déjà pris, donc du coup, j'ai vraiment été en rechant, juste histoire de... Bah, histoire de retourner au bon endroit. Alors, à partir d'ici, il y a plein d'ennemis qui sont apparus. Par contre, il y a encore de la grisaille. Il est pas censé y... Ou non? Mais pourquoi? Pourquoi je pouvais pas les frapper? What is the fuck? Juste histoire d'être au courant quoi. Je demande pas beaucoup plus que d'être au courant. Je vais tout de suite tuer au moins un tireur. Voilà. Ensuite le deuxième, on va bien l'entamer. Voilà. On l'a peut-être un petit peu trop bien entamé à mon goût. Parce qu'on voulait, devait juste l'entamer, on l'a niqué en 2 coups. Du coup c'est un assez bon entamage. Par contre ces coffres là je les avais déjà cassés donc ils réapparaissent. C'est toujours intéressant à savoir. Ce n'est pas des objets récoltables. Ce ne sera pas pour le pourcentage. Même si ça m'aurait étonné, ça ne l'est pas. On va essayer de les sauver un petit peu tous. Ça par contre je sais pas si c'est pour pourcentage ou pas. Je suppose que il y a un petit peu de pourcentage là dedans. En fait peut-être pas de pourcentage ce sera pas écrit en pourcentage. Ah par contre celui là je peux pas encore le sauver. Ouais je peux pas le sauver parce qu'il y a encore de la grisaille sur lui. L'autre là-bas il y a plus la grisaille. Du coup il y a encore quelqu'un à sauver. Toujours intéressant à savoir. Ah mais putain il y a des ennemis partout quoi. Hop là. En fait le truc c'est qu'on n'a pas des masses de vie et les ennemis retirent pas mal de vie. On a bien fait de mettre en difficile parce que sinon ça aurait peut-être été un petit peu trop simple. Déjà là on ressent un petit peu de difficulté là. Enfin je suis déjà mort une fois. Ça va pas être un jeu. J'aurais cru que ça allait être un jeu, même en difficile, un peu à la Mario, où on allait quand même le finir en 2 secondes. Il y a cette carte là, mais on va juste aller détruire ce qu'il y a là avant. Voilà. Ah oui, la créature, elle est juste là, mais attendez, je vais voir ça. Qu'est-ce que ça nous montre? Ah, ça nous montre juste la carte comme ça, d'accord. Je pensais que ça nous aurait un petit peu mieux montré. Alors, à partir d'ici. Maintiens contrôle et appuie sur plus pour lancer de la couleur. Ok.
On pourrait faire clic droit pour viser, mais bon, j'ai pas visé grand chose. Mais ça va être comme ça qu'on va libérer le. Il y aura plus de boss. Il y aura plus de boss. J'ai l'impression. Dans tous les cas, je peux en sauver plein. Je vais les sauver. Ça fait gagner de la thune. J'avais dit que j'allais faire un peu moins attention, mais quand même. En plus, on va au quartier du même marché. Donc, sûrement, la thune va enfin être utile. Je vais voir si je peux pas en avoir 750 avant avant d'arriver au marché. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je suis sûr qu'il y a un putain de truc hyper bien acheté pour 750$. Ça, j'en suis quasiment sûr. Et j'ai bien dit quasiment. Ouais, il n'y a plus rien par là. En fait, c'est quand on les sauve, vite fait, on prend leur argent, vous savez. Genre, vite fait, hop, là, on prend, on met dans notre poche. Tranquillement. Il n'y a plus personne. Ok, avec un peu de chance, il y aura quelques caisses parce qu'on n'a pas 750 gemmes. Oui, on appelle ça des gemmes. Hein. Hop, on peut encore sauver quelques petites personnes par-ci par-là. Ah, mais on y est presque, hein. Ah, 745, ouais, je pense qu'on y arrivera. Rien qu'en sauvant lui. Ouais, c'est bon. 750, on les a. Et on arrive au marché. On a un petit peu de peinture, on peut aller parler à lui là-bas, donc c'est ce qu'on va aller faire. Salut toi. Koru, qu'est-ce que je suis content de voir que tu t'en es sorti. Content de te voir aussi, papy. Pourquoi vous êtes tous là? Je croyais que vous alliez au quartier du marché. Il y a un problème, comme toutes les autres rues sont bloquées, on va devoir passer par les canaux. Et il n'y a plus de bateau, donc on est venu ici pour trouver de quoi en bricoler d'autres. On allait repartir quand les bâtiments se sont effondrés et nous ont bloqué le chemin du retour. N'en dis pas plus. Pardon, n'en dis pas plus. J'ai la solution à nos problèmes. Oh oh, l'esprit rouge. Comment as-tu réussi à le faire sortir de son petit dôme douillet, Koru? C'est un Tinker, l'ancien. Et comme c'est le seul de la ville, il représente la dernière chance de Coolerville. Un Tinker? J'en étais sûr. Ce gamin avait quelque chose de spécial. Voyons. Comment sortir de là? Putain, j'ai galéré à parler. Ouais, c'est ça. Donc, mon pouvoir ne me sert pas qu'à taper les grisailles. En trouvant une de ces petites créatures en forme de champignon, on pourra franchir ces débris. Comme Bomber, il était dans le coin. Essaye le chemin sur ta droite. Ok, Bomber est par là-bas, d'accord. Mais on est au marché, il y a forcément des trucs à acheter. Maman, arrête de me faire la leçon. T'as tout, oublie pas ton peigne. Ok. Lui aussi les vénères. Tu comprends pas, il faut ficher le camp d'ici. Il parle à qui? Ah, personne, d'accord, il est schizophrène. Comme toutes les personnes que j'ai rencontrées récemment. Tout schizophrène, c'est juste incroyable. C'est le quartier du marché. Et il n'y a rien à acheter. On a de l'argent, on est dans le marché. Et on peut rien acheter, vous comprenez quelque chose vous? 3 sur 6, ah ouais, bon, alors on n'a pas du tout suffisamment dans ce quartier là quoi. Je dirais même qu'on est pauvre dans ce quartier là quoi. Cela n'empêche qu'on n'a toujours pas trouvé d'endroit où acheter des choses. Salut toi, ne remets plus les pieds dans notre quartier, mais oui. En plus on a un petit peu de rouge, il devrait nous accepter, on a un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, un petit peu de vert. On a un petit peu de tout quoi. Alors, ici, il est là-haut. Ah, on va peut-être siffler pour le faire venir. Je vais juste prendre un petit peu de tout. Ah non, lui, il a activé, donc je vais tout simplement activer ça. Mais avant, je ne peux pas partir maintenant, je dois réparer ces tuyaux. Ben, de toute façon, la grisaille, elle est partie, donc on s'en fout, quoi, maintenant. Au mieux. Alors, on va le ramener avec ça. Fais attention à la couleur rouge. La couleur rouge le fait exploser. Sérieux? Bah là il est sur la couleur rouge et ça lui fait rien. Ok bon pas grave, peut-être que ça arrivera plus tard. Les dangers. Contrôle et plus pour lancer de la couleur sur Bomber. Ah pas mal, pas mal, pas mal. C'est pas mal du tout. Par contre ça nous fait pas mal de dommages. Bah du coup on le ramène, c'est sûr, en fait, fais poser mon beurre ici et fais l'exploser. Eh c'est classe. Viens avec moi maintenant. Ah juste on va le suivre, d'accord. J'aurais pensé genre il nous aurait parlé au moins, genre un petit merci n'aurait pas été trop, ni de refus. De toute façon il va casser avec les caisses. Non.
Oh, on peut les peindre comme ça. Ah, c'est marrant. C'est con, mais marrant. Hop, toi, explose. Ah, ça leur fait rien. Ah, d'accord, au mieux, ils s'en foutent. D'accord. Moi, souvent, quand il y a quelque chose qui m'explose à la gueule, ben, ça me fait de dommages. Tout simplement. Par contre, tu peux venir. Élimine ces grisards pour avancer. Oula! Oula, oula, oula! Oula, mais c'est, je sais pas qu'il y en a un petit peu beaucoup, mais quand même, quoi. Il y en a une petite flopée. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Et ben voilà, c'était pas compliqué. Allez, viens sur ce champignon. Ça me sera utile, je suis sûr. Du coup, si on le ramène là-dedans, il explose, non? Même pas. J'aurais pensé que justement, c'est, il y aurait eu des choses comme ça partout. Et si on allait dedans, il explosait, il mourrait. Et genre, on avait perdu. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout, très loin de là. En fait, c'est juste qu'on peut lui balancer de la couleur à la gueule. Eh, mais ça veut dire que genre, si on fait comme ça et qu'on en balance... Non. Je me suis dit, peut-être qu'on pouvait genre en balancer sur les murs. Et genre, ça aurait retiré la grisaille. Non. Bah, c'était une petite idée comme une autre. Oula, encore plein à détruire. Par contre, je sais pas, ça a servi à quoi d'activer les champignons par là-bas. Hop là. Ah, mais il y a des trucs qui tirent là-bas, d'accord, c'est là qu'est okay, partie ma vie. Hop là, hop là. Hop là, lui, on va l'attaquer vite fait. Non, c'est lui qu'on attaque. Maintenant, on esquive lui qui va peut-être nous attaquer par là-bas. Hop là. Et on l'attaque vite fait, et c'est bon. Ouais, c'est pas très compliqué. Ah là, il y a plusieurs chemins, tiens. Je sens que tout droit, c'est le bon chemin. De toute façon, ils vont nous indiquer le bon chemin. Ah, donc le bon chemin est là-bas. Ah ouais, mais il y a trois chemins. Mais du coup, on va ouvrir les trois. Le bon chemin est sûrement celui-là de là-bas. On va le faire exploser ici, sûrement il y a de l'annexe là. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On prend ça. Et ensuite, ils veulent absolument aller par là-bas. Donc on va aussi casser ici, il y a sûrement quelque chose là. Bon, vu qu'on vient d'avoir un pinceau, ça ne m'étonnerait pas que ce ne soit pas un pinceau, mais plutôt de la thune. Ou de la grisaille. Chacun ses choix, hein. C'est... Moi j'aurais plutôt pensé à de la thune ou de... Enfin, j'aurais plutôt pensé à un truc positif, vous voyez. Voilà. Alors, maintenant que nous sommes ici... Ah, un nouveau monstre. Il a l'air un tout petit peu plus fort, lui. Je sais pas ce qui me fait penser ça, mais j'ai c'est une impression personnelle. Hop là. Hop là, hop là. Ok, en fait, si on le donne un coup, il frappe. Un coup, il frappe. Ouh, et quand il frappe, quoi. C'est... Il fait pas semblant de frapper. Faut peut-être les prendre absolument par derrière. Je sais pas, en tout cas, je vais en tuer... J'allais dire, j'en tue quelques-uns là, peut-être que ça m'aurait servi. Je pense que je vais en fait tuer d'abord les ennemis avant de... Je vais tuer les ennemis qui tirent avant de tuer l'autre ennemi. Par contre, c'est par où la suite? Je me suis perdu. C'est problématique, c'est par là-bas, d'accord. Allez, toi viens un petit peu, non je rigole, pas besoin. Hop là, on va les tuer vite fait, eux là. Hop, 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 hop. Hop là. Ah non, il fallait vraiment juste lui donner des coups, fallait pas faire un truc de spécial, genre tuer ceux qui étaient à côté ou une connerie du genre. Parce qu'il y avait un truc comme ça dans Remember Me, genre il fallait tuer les ennemis qui étaient autour de l'ennemi en question avant de pouvoir tout simplement le tuer. Parce que sinon il prenait pas de dommages. Donc je me suis dit, si ça se trouve c'est un truc du genre quoi. Mais ce ne fut pas le cas. Par contre il est où maintenant? What the fuck? Qu'est-ce qu'il fout tout là-bas? Ah, il est mort et ça c'est les checkpoints. Peut-être qu'il est mort en allant dans la grisaille. D'accord, et quand il meurt, il va dans ces champignons-là, d'accord. Mais c'est toujours intéressant à savoir, on ne le savait pas. Du coup, on est bientôt au canot, non? J'ai l'impression de reconnaître cet endroit. Je sais pas, il y a des caisses là-bas, je vais les casser comme d'hab. Hop là. Hop là. Et par là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien d'important. Donne-nous les matériaux qu'on se mette au travail. N'écoute pas. Tout ce qu'ils savent faire, ses amis et lui, c'est détruire. Je parie qu'ils ne savent même pas à quoi ressemble un marteau. Ça suffit, vous deux. La dernière chose dont on a besoin, c'est que vous vous chamaillez. Qui se chamaille? Je disais juste que je ne confierais pas à ces gamins notre dernière chance d'évasion. Et toi, le vieux? Moi, je peux construire 10 bateaux avant que tu aies bougé le petit doigt. Mais juste, il n'y a plus de grisaille. Il n'y a plus de problème ici. De belles paroles. Tu ferais mieux d'accélérer. Ah, en fait, il y a peut-être un problème ici. Il y a peut-être un léger problème ici. C'est effectivement. Ah, il s'est barré juste. Attendez, c'est quoi ce bruit? Ah,
Ah, y a peut-être danger ici en fin de compte. Ah ouais, c'est peut-être la mouise ici en fin de compte. J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite en fin de compte. Mais qu'est-ce qu'on fait? On doit construire ces bateaux et vite. Exactement ce que je me disais. C'était peu probable, hein. Ok, tout le monde a son marteau. Enfin, je pensais que ça ne cesserait jamais. Ah, d'un coup, dès qu'on leur met du blanc un petit peu partout, ils se mettent tous d'accord. Koru, laisse-nous terminer les bateaux. Ces grisards sont le pont. Dépêche-toi d'aller là-haut et de les empêcher de nous rejoindre. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, ils nous ont dit très clairement de tuer ceux qui sont là-bas. Mais c'est que je peux plus avancer là, je comprends pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois faire? Par où je dois passer? What the fuck? Ah, ils étaient en train de construire les bateaux et je peux pas passer à l'endroit où il y a les bateaux. D'accord. Hop. Hop. Je peux pas les toucher d'ici, ils sont trop loin. D'accord, c'est pas un sniper notre personnage, hein. Ouais. Non, non, par contre, on évite de se suicider à l'avenir, d'accord, hein, moi, ça me tente bien, en tout cas, de ne pas se suicider, c'est... Il y a des avantages là-dedans, il y a des avantages. Il y a des inconvénients, peut-être, je sais pas, je n'ai jamais essayé. Mais je pense que c'est surtout des avantages. Après, je suis pas un connaisseur de cause, je parle pas en connaissance de cause, je vais essayer de dire les bons mots. Mais voilà, je pense. Qu'est-ce qui se passe? On peut les tuer en mode comme ça? Allez, en mode tower défense. Allez, hop là, plante versus zombie. Enfin, couleur versus blanc. Hop là. Hop là, hop là. Hop là, hop là, hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Et là, on les défonce comme ça. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ah, ils m'ont touché, même pas, je crois. Je crois qu'ils m'ont même pas touché. J'ai eu un doute pendant un moment, mais je ne crois point. Je suis en train de tous les avoir, mais genre en mode easy, posé. Hop là. Il y en a de plus en plus. Ok, ah non. Lui, je le tiens pas dans mon cœur. Je me dis pas, quand je vois ce mec là, je me suis dit bah, ah, je suis en sécurité. C'est bon, tout est bon. Tout est bien qui finit bien. On va finir par l'avoir, je pense, comme ça. Hop, hop, hop. Non. C'est qu'il fait bien mal, lui, quand il frappe. Non, je suis allé... De la vie, s'il vous plaît. Ce serait assez sympa de votre part. Ya. Ok. C'était un petit peu du... On y va à la YOLO. Easy posé. Mais c'est failli ne pas passer quand même. Je tiens à préciser. Eh ben non. À toi tout seul, je crois. Bon, par contre, tu m'as peut-être mis un dommage. Mais je n'aurais pas pensé. Ils sont trop nombreux. Ah, je parie que c'est pas fini. Mais comment veux-tu... Tu te battre, un tel courage, ce source, cette source d'inspiration, je ne me suis pas senti aussi bien depuis des lustres. Tu as révélé ma véritable puissance, cela te rendra bien plus fort, et nous en avons bien besoin là. Tu vois la jauge sous la barre de ta vitalité. Ouais, sauf que là on est dans la mer, donc tu peux éviter de faire un roman, juste tu peux la remplir en frappant des ennemis ou en ramassant des gouttes de pouvoir. Lorsqu'elle est pleine, tu peux utiliser mon pouvoir, il restera actif jusqu'à ce que ta jauge se vide. Appuie sur 1 pour déclencher ma rage. D'accord. Sauf que t'avais pas de... T'avais... Ah, faut que j'appuie sur 1 maintenant. Ce 1 là. D'accord. Donc c'est le 1 galère à atteindre. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, ouais, c'est juste qu'on fera plus fort en fait. Ouais, j'aurais pensé qu'il y aurait un petit peu plus de classe que... Tu fais plus de dommages. Ouh. Ah oui, non, c'est beaucoup plus de dommages en fait. Je vais peut-être parler un peu vite. Ah ouais, je l'ai one shot quoi. D'accord, bah si on me dit ça tout de suite, moi après je peux pas savoir. Hop, 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 hop. Sinon tu te sens bien? Bon, faut pas être trop y aller à la YOLO non plus, je le conçois. Mais j'aurais cru qu'on aurait pu y aller un tout petit peu plus à la YOLO. Bon, pas grave, je pense qu'on les a quand même. Voilà, c'est normalement. Pourquoi vous traînez autant les gars? Eh, où ils sont passés? Ils se sont barrés. Ne me dites pas qu'ils nous ont semés. Eh, Koru, gros tas de laine, par ici. Vous vous amusez bien là-haut tous les deux? Allez, sautez. Non, on s'amuse pas, non. En tout cas, c'est pas la foire à la saucisse, quoi. C'est plus la foire aux oignons, genre on pleure, vous voyez. Bon, on est heureux. On part d'un endroit où il y a plein de blancs.
sûrement pour aller à un autre endroit qui a plein de blanc, donc ce sera pas non plus c'est pas super. Le soleil, oh il est content le soleil. Oh le soleil au mieux il s'en fout qu'il y ait du blanc en bas. Il regarde de en haut, il nous voit tous galérer, il dit oh. Eh ben dis donc, vous galérez bien en bas, non? Du coup ici on est au marché, on va pouvoir acheter des choses ou pas? Je sais pas tout ce qu'il y a, c'est... Ah c'est le quartier bleu. Enfin je crois. Nous y voici, le quartier du marché. Ah non. J'aurais cru voir plus de citoyens. J'espère qu'ils n'ont pas tous été grisés. Enfin, pourquoi tu ne veux pas explorer un peu les alentours? Moi, je vais rendre visite à un vieil ami qui fait tourner les choses dans le coin. Rejoins-moi quand tu seras prêt. Explore le quartier du marché, puis parle à l'ami de Meudi. Ouais, mais est-ce qu'on peut acheter des choses? Je voudrais bien voir si on peut acheter des choses avant d'arrêter l'épisode. Parce que clairement, on est dans un marché, il nous laisse le temps d'explorer. Donc c'est clairement une incitation à dépenser notre monnaie. Mais ils ne veulent pas qu'on dépense notre monnaie. Oui, mais c'est bien gentil de me donner de l'argent, mais si je peux pas l'utiliser, ça sert à quoi d'en avoir? Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Là-bas, il y a des gemmes. Qu'est-ce que vous foutez là? Là-bas, je peux passer, il n'y a que dalle. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Très clairement, ici il y a des gemmes. Encore une fois, à quoi ça sert? Eh, hey, les vers, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas peur. Ah, là c'est le quartier vert. Là il y a plein de gemmes. Qu'est-ce qui se passe quand je les frappe? Si j'envoie du rouge dessus, ça ne fait absolument rien. Si je détruis tout. Bon, je pense que si je détruis tout, ils seront pas les gens les plus heureux du monde. Mais bon, quand même, quoi, j'essaye. 1 sur 4. D'accord. Dans tous les cas, je vais arrêter l'épisode ici, donc je sais même pas pourquoi j'explore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Il y a eu un petit peu d'action, un petit peu de révélation, entre guillemets. Tiens, on va prendre le pinceau qui est là. Hop, non, s'il te plaît, fais pas le bâtard. Non, je veux juste aller prendre ce pinceau. Et attention à la queue. Oui, mais moi, tout ce que je veux, c'est prendre ce pinceau. Allez, allez. Si on envoie de la couleur dessus... Ça ne marche pas, bien sûr. Non, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai été sur lui? Rien du tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, aimez la vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous à la chaîne si elle vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.